Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes un très bon détective. Aujourd'hui, on va voir si moi, je suis un bon détective. On va faire un cache-cache en visio. Vous avez eu un peu de temps pour vous cacher quelque part dans le champ de votre caméra. Ça veut dire, par exemple, dans ce studio, tout ce qu'on voit visible à l'écran. Ici, c'est bon. Là, c'est pas bon. Si je vous trouve pas, c'est 100€ pour vous et potentiellement plus grâce à ça. Mais vous allez comprendre, la personne qui aura la cachette la plus créative gagnera 1000 balles. Et ça, c'est vous qui allez décider en fin de vidéo grâce à un sondage. Bref, je change de t-shirt, de coupe, et c'est parti. Let's go! Let's go! Cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield, évidemment. Vous avez tous ces designs qui sont disponibles sur le site. Marvel, Case, Haring et Haribo. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Disney, il y a aussi PSG, il y en a beaucoup. Vous allez avoir un code promo, mais je le donne pas maintenant. Et vous avez vu, j'ai des chaussettes Lidl. Wow! Bonjour Derek. Wow, mais attends. On commence sur la première comme ça là? En effet. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? C'est quoi ton goûter préféré? Je m'appelle Simon, j'aime beaucoup les bananias et je viens de Lille. D'accord. Tu m'expliques où tu es? Alors je suis actuellement dans un hangar de stockage, donc de la métropole lilloise, et ils stockent visiblement des décorations. Mais mec, c'est une dinguerie déjà, j'adore. L'éléphant est magnifique. Alors l'éléphant mesure 6 m50 en effet. C'est colossal hein, pour un éléphant. Un peu comme ma queue quoi. Bon bref, déjà je vais éliminer tout ce qui est plafond parce que ça me paraît très très haut, voire trop haut. On est sur 22 mètres en effet. Je pense que quand même dans un lieu pareil, je pourrais me dire ouais, ça se trouve c'est une cachette, il est dans l'éléphant, ce qui serait stylé. Si tu souhaites, je peux t'offrir l'histoire de l'éléphant en attendant, mais bon. Dès que je me dis, ça y est là, j'en ai marre de l'histoire de l'éléphant, je fais blablabla. Parfait. Eh bien écoute, l'éléphant est simplement... Je vais mettre mon curseur sur la porte rouge qui est à gauche. Je vais me permettre de sortir alors. Je te laisse sortir. Oh, t'étais dans l'éléphant. Je l'ai dit au début! Mais c'est très stylé, donc du coup ils sont là depuis 16 ans en fait. Ils n'ont pas pu rembarquer, ça coûte trop cher de les faire réembarquer en avion. En fait, il faut les scinder en deux pour les faire monter dans un avion. Mais excuse-moi, est-ce que tu voudrais pas être journaliste? Alors j'aimerais beaucoup être journaliste. Non, c'est faux, je fais de l'expertise comptable. Eh ben mec, ça fait 100 balles, mais je peux te proposer quelque chose. J'ai 3 coques. Soit ça va diviser par 2, soit ça va faire x2, oui. Soit ça fait 0. Est-ce que tu veux prendre le risque? Je suis joueur, franchement je prends le risque. T'es joueur? Je prends le risque d'un fait. Bien sûr. À gauche, donc dans ta main droite, s'il te plaît. C'est divisé par 2. Ça va, franchement, c'est pas grave. T'es le premier, je t'ai fait attendre, alors ce sera 100 balles quand même. Allez hop. Merci à toi. Voilà, je mets la mécanique, mais je respecte moi-même pas les règles du jeu. Bisous à vous. Salut, salut. J'enlève le x2, je vais mettre 500 balles. Je vais le regretter, ça. Ça va bien? Ça va, hein. Ok, j'observe. Dans le frigo, ça me paraît trop compliqué. Mais ce serait stylé. Il y a aussi également ces boîtes en carton qui me titillent un peu. J'ai un déménagement prévu dans peu de temps, donc c'est peut-être pour ça. Ok, mais fais pas trop le malin quand même, par contre. Attends, redis-moi ça, parce que là, t'étais dans le métaverse, là. Je vais dire que t'es dans le canapé. Ok. Non, je suis pas sûr de moi, mais go. Salut mec! Oh putain, foiré! C'est quoi ton prénom? Mais... Et finalement, on peut dire que t'es très frais finalement. Allez, hop là. Oh, m'appelle Anto. T'as brisé la chaîne du froid, mais finalement, t'as trouvé une cachette très fraîche, tu vois ce que je veux dire. Allez, on continue. C'est 100 balles, bravo. C'est juste le plaisir déjà de pouvoir passer dans ta vidéo et puis de te voir, parler avec toi, tu vois. Bah merci Anto, vraiment. Est-ce que t'as une odeur de fromage constante sur toi maintenant? Après, je sentais déjà le fromage avant ça, donc en soi. Ça marche, bon, je vais changer de personne. Oh putain, non mais, non, c'est trop là. Franchement, c'est trop. C'est quoi ton prénom, beau gosse? Raphaël. Tu fais quoi dans la vie et c'est quoi ta couleur préférée? C'est le rouge. Bah, je suis à l'école. Tente d'être ingénieur, je conseille. Tu vois, il y a une boule bleue en bas à droite. Ah, il y a une boule bleue en bas à gauche, mais oui, tu veux parler de la map? En fait, j'ai eu l'indication en fait. Et du coup, je vois que t'es à peu près par là à droite. À peu près, ouais. Là, il y a une petite. Tu vois, il y a une tour. Je pense que t'es dans la tour là. Dans la tour. Ok, donc j'ai pingué la tour. T'es pas dedans. J'étais à côté, j'étais derrière. T'es où? Là. Oh putain, à quel moment tu veux que ce soit impossible de trouver pour moi? Attends, alors reviens, parce que moi j'avais pingé sur la tour en vert. Si ça se trouve, t'es dans mon cadre hein. Du coup ça bug un peu mais... Bon allez, c'est bon, t'as les 100 balles, et voilà, on en parle plus. Ouais, allez, c'est bon, voilà, c'est bon. Et bah Raphaël, merci beaucoup, et t'as été un crack. Vraiment, t'as assuré là. Salut. Hop là, je vous montre un petit design Rhinoshield de Paris Saint-Germain, c'est parti, voilà. Je vois pas ta cam. Tu vois pas? Non, t'as perdu. Tu me dois 100 balles. Attends, parce que c'est pas moi qui suis caché, moi je suis la meuf derrière la caméra. T'avais probablement des choses plus importantes à faire de ta journée? Ouais. Sims, viens. Pour l'instant, je suis très étonné. Tu t'appelles Sims? Ok, alors déjà, c'est des beaux avions. On a donc une forte probabilité pour moi, qui suis un enquêteur, regardez, je mets mes lunettes. La personne, donc, susnommée Sims, se trouve dans un avion dans un cockpit. T'as vu, il y a un avion rouge derrière avec le mono-hélice là. Ok, c'est cool en tout cas. Je me sens pas mal seul, mais bon. C'est quoi ton prénom? Orlan. Orlan, et bah que ce soit Orlan ou Sims, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle de ce que je dis, mais c'est pas grave. Du tout, je te laisse argumenter et compléter. Très bien, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, oui. Je pense que tu es caché dans l'avion qui est collé là, au premier plan. Il
Oh putain, j'étais pas loin. Ah, je me suis dit que c'était trop obvious de se mettre dans un avion. Oh, bien joué. Non, bien joué. Je te vois plus là. Tu vois plus rien? Non, je vais chialer. Mec, bien joué. Attends, c'est Simon ou Siméon? T'as changé de prénom entre temps. Siméon. Ok, est-ce que Orlan c'est ta meuf? Non, c'est pas ma meuf, non. C'est juste une amie. Non, j'ai une copine et. Ah merde. C'est pas elle. Ok. Ok. Putain, bien joué. Je fais que des échecs, je suis dégoûté. Eh ben Siméon, je te propose le jeu. Tu choisis une coque. Ouais. On prend celle avec les carrés de toutes les couleurs. T'es sûr? Ah, oh, me fais pas stresser aussi. Ah non, ça c'est dégueulasse ça. Orlan, on va s'embrouiller tous les deux. Je lui parle. Il veut nous aider ou il veut pas nous aider? C'est un blagueur quand même. Vas-y les petits bonhommes. Non. J'ai voulu t'aider, ça fait x5, c'est 500 balles. Let's go! Oh, let's go! Là, tu pourrais oublier pour le Canada. C'est magnifique, attends, je viens d'aider un truc là? Non, mais c'est que je veux partir, étudier là-bas. Mais c'est magnifique. Bah, en tout cas, ça fait 500 balles. Merci, Rinotique. Oh, bah oui. Merci et belle cachette, bien joué. C'est pas possible! Mais mec, je te dis que ça va être possible la cachette, je te jure que. Ah, bonjour. Salut, t'as un dédoublement de personnalité? Ouais, c'est ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Terry. Terry, on est d'accord que t'as tenté un truc de ventriloque au début là. Je vois pas du tout de quoi tu parles! Lui, c'est le lama. C'est un mélange de Stitch et d'un autre gars, je sais pas qui. Bon, mec, on passe aux choses sérieuses. Terry. Fini de t'érigoler. Allez, ouais, c'est, là. C'est un personnage que je dois trouver là. Et c'est un lama. Je te laisse chercher, sachant qu'il peut être dans n'importe quelle position. Ok, je capte. Il est dans le coffre d'une voiture? Non, trop gros. Est-ce qu'il serait pas fondu genre dans le décor là? Je vais dire qu'il est derrière la voiture rouge, ton lama. Ok, il va falloir me laisser parler au lama, il y a un petit sketch. Oh putain, j'ai très peur de ça, Terry. J'ai très peur. Tu peux sortir? Oh, je suis trop chaud, putain de merde. Ah non, on a pas gagné, désolé mec. Ah bah tant pis. Hein. Wanton. Ah bon, là, pas la thune, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon bah laisse tomber, on a perdu, ça y est, il rage. Voilà, c'était le petit sketch. Mais c'était génial. Non mais bravo, franchement ça défonce. Bah merci beaucoup. Et merci Terry. Abonnez-vous à la chaîne de Choika ou sinon il n'y aura pas d'épisode 3. Bah c'est très bien dit. Attendez, il se passe un truc de fou là. Joy cache-cache, bah ça c'est le code promo moins 10% chez Rhinoshield pendant 48 heures. Vous allez pouvoir acheter toutes les collections que vous souhaitez, par exemple. Marvel, Case Grindings, Haribo, PSG, Joy Cache-Cache. Il y a aussi des nouvelles collections, Naruto X Hello Kitty, me demandez pas d'où vient cette collab. Collection Mohamed Ali, c'est les coques, tu te réveilles, elles te mettent une patate comme ça. Et collection Attaque des Titans, SNK, Sasa, Gayo, Sasa. Et moi c'est celle-là par exemple que j'utilise, parce que je suis un fan de Marvel, et que c'est une clear case, et qu'il y a le marteau de Thor dedans, paf, dans le coin de la gueule. Et évidemment, merci Rhinoshield. Sarah, oui. Ça va bien? Oui. Ça raccroche. Mais excusez-moi, vous êtes à Grenoble? Ouais. À l'Alpe Expo? Oui. Ah, je suis trop chaud! Grenoble! Ouais, par contre, la qualité, on est sur du 320p, mais c'est pas grave. Regarde derrière! Il y a des gens qui se demandent ce qui se passe là. Bon, il y a pas mal d'arbres, donc en vrai, ça peut être derrière un arbre. T'es derrière un truc, je pense. Elle est pas dans le secteur de la voiture. Bah, c'est super gentil de me donner un indice pareil. Mais c'est trop cool! Et c'est bien, faut se dire les choses cash comme ça, c'est très bien. Et peut-être derrière un poteau en fait. Attends, vas-y, tu sais quoi, je vais faire mon col, allez. Derrière le gros arbre, il y a un très gros arbre qui est le plus grand. Ouais, le plus gros, moi je me dis, elle est derrière un tronc là-bas là. Ouais. Coucou. Oh putain! Bien joué ça! Bien joué, la complicité était archi cool. Je vous ai pas trouvé, mais je vous propose un jeu. Il y a trois coques Rhinoshield. Là, si on gagne, franchement, on va aller voir Harry Styles et Joe. En vrai, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que je suis aussi beau gosse que Harry Styles ou il est plus beau gosse que moi? Tu ressembles au mec dans Stranger Things. Ouais, merci, allez, c'est bon, je suis 5 coques, c'est bon. Deadpool. Vous êtes sûr? Non. Oui. Deadpool, pourquoi? Parce que Deadpool. Ok, ça marche. C'est 500 balles! J'ai inversé les papiers. Bravo, 500 balles. Eh ben les filles, merci d'avoir participé. Gros bisous à tous les grenoblois finalement. Parce que voilà, je viens de là-bas moi. J'ai inversé les papiers, j'avais envie de les régaler. Ça me fait chier, j'ai pas envie de voir les gens perdre. Putain. Viens, on se serre la main et je me dis, mais à partir de maintenant, je respecte les règles. Choisis une coque. Deadpool. Deadpool, t'es viré. Ah. Waouh! T'es juste à Disney. Je bug à mort, même si j'essaye de gratter la connexion de Mickey, ça marche pas du tout. Mais Mickey, faut qu'il prenne la 5G là. Qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot là? Bah oui, ça va plus là. C'est quoi ton prénom? Léa. Le décor est magnifique. Bah je passe ma vie ici donc. Bah c'est très bien, mais t'as, au bout d'un moment, t'as pas assez fait Ratatouille. Je m'en fous de Ratatouille, moi c'est train de la mine. Là ça vient de me briser le cœur, mais bon, c'est pas grave. Ah putain, y a tellement de possibilités, c'est impossible. Je pense que t'es soit là derrière la barrière à non. Droite en fait, ou alors à l'entrée du château carrément. Ou de l'autre côté, mais ça fait loin. Savoir, moi j'ai une tenue inspirée d'un très célèbre pirate. Jack Sparrow quoi. Vas-y, moi je dis que t'es à l'entrée du château. Ok, regarde les deux arches à droite. Est-ce que tu me vois? Oh putain, ouais, bah je suis à l'opposé. Et je te jure, si tu ressembles pas à Jack Sparrow, ça va pas le faire du tout. Oh bah ouais, non, il est parfait. Bravo.
Donc t'es une fan de Disney? J'ai carrément un tatouage Disney, donc pour dire... C'est quoi? C'est le Phantom Manor, je sais pas si tu vas voir. Oh, oh oui, la vague, ah ouais. C'est le manoir hanté, quoi. Putain, et ça fait... t'es venu combien de fois, si tu devais dire à peu près une échelle? Trop de fois, je peux raconter. Donc c'est 100 euros. Yes. Au moins je te paye ton cadeau d'anniversaire. Je vais pas encore acheter son cadeau d'anniversaire, que c'était le 5 juin, donc bon... Eh bah Léa, merci, trop bonne cachette. Salut. Eh bah là, je vais t'envoyer sur un truc. Et t'as l'air excité, là. Tu veux voir comment je suis... Tu veux voir comment moi je m'excite, moi, quand je suis excité? Mais attends, tu t'excites un peu trop, là. Oh, oh putain, tu te fous de ma gueule, là. Mais... Non, c'est pas possible. T'es vraiment dans la maison, là? Je vais me retrouver la boîte aux lettres. Non, non, je peux pas y croire. C'est très bien fait, mais on a pété le mur, donc c'est pas possible. Mec... Ok, il y a la boîte aux lettres qui est là, ça me fait quelque chose au cœur parce que cette boîte aux lettres a disparu et je compte bien la retrouver, ça je te le dis. Je connais très bien cette maison. J'ai dormi ici, j'ai dormi là, là. Là il y avait Carlito, là il y avait McFly ou Ned. Oh putain, je vais péter un câble là. Comment tu t'appelles? Pour moi t'es derrière la poubelle, c'est derrière le mur en fait. Me dis pas que ça a freeze. Ah si, je crois que ça a freeze. Mais en fait il y a un détail important, c'est que je suis sur un bateau de croisière donc. Quoi? Ah c'est bon, ça y est. Hello. Tu te fous de ma gueule, là. Non mais mec, là par contre, là, je vais péter un câble. Je te vois très bien, t'es flou, mais on s'en branle. Je viens de me prendre un high kick frontal. C'est une dinguerie, je suis choqué premier degré, là. Mais quel putain de crack! Laisse-moi frapper, Bob, je reviens. Putain! Alors déjà, je crois que je t'ai trouvé, déjà, sans faire exprès. Voilà le backstage. Oh là 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 là, mais mec, je suis fasciné par ça. Non, c'est trop fort, mec. Je pensais que c'était un modèle 3D. Ça t'a pris combien de temps? 17 heures. Oh, c'est vraiment trop chaud, là! Jules, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es dans un bateau de croisière, putain de merde? Parce que je suis en vacances. T'es pilote du bateau, là? Pourquoi t'as un ordinateur et tout? Oh là là... Oh putain. Putain, bravo Jules. À vérifier, je sais pas si je t'ai trouvé ou pas. Je te laisse kiffer ta croisière et tout, et garde bien ça, c'est une putain de relique, c'est trop beau. De maquette là, on peut soit l'offrir, soit la filer aux gens qui vont habiter dedans pour avoir un avant un aperçu après de ce qu'il y avait avant. Les deux, j'adore. Trop bonne idée. Salut. Déjà, tu me dis pas salut, je rigole. Ça va bien? Ça va être... Bienvenue à Orly. C'est des cachettes, elles sont inattendues. Est-ce que t'as un avion à prendre? Pas du tout. Oh, t'as posé ton téléphone donc à l'aéroport d'Orly? Alors là, par contre, j'ai très très peur. C'est-à-dire à n'importe quel moment, je vois quelqu'un courir avec mon téléphone. Alors sache que pour ma vidéo, ce serait insane qu'il se passe ça. Je sais, justement, je me suis dit pas. Je pense que vu que t'es à l'aéroport, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de passages, donc tu t'es pas mis à un endroit en mode t'es accroupi quelque part, tu vois, ça ferait bizarre un peu. Ou alors, tu t'en bats les couilles. Oh, 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 écartez-vous, monsieur, de ce téléphone! Il y a un gros yep là, c'est du 43, je peux te le dire, celui-là, je vais le retrouver. Il part, ouais, avec des pumas là, je l'ai vu. Pour moi, t'es à gauche derrière la poubelle là. J'ai un t-shirt Evans Lyon. Oh putain, je viens de te voir, je crois. Ah, tu t'étais mis si loin! T'as une confiance aveugle en l'humain là. Là, il y a un truc Covid. Et j'ai dit à la personne qui s'occupe du coup du stand, est-ce que je peux poser mon téléphone ici? Il m'a dit, y a pas de problème. T'as un giga smile, j'aime bien ton énergie. Ouais. En fait, je suis super contente. Et j'ai mes sœurs, elles m'ont dit c'est impossible, jamais tu seras sélectionnée. Chez, voilà, chez les sœurs. Bah c'est 100 balles, bien joué. Let's go. Bisous. Je l'ai pas trouvé. Je suis une merde aujourd'hui, je suis un détective de merde. Appelle-moi détective grosse crotte de chien. Et je peux avoir des lunettes là? Et en fait, moi j'ai un cigare mais c'est une crotte de chien. Je suis détective grosse crotte de chien. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un niveau proche d'une crotte de chien. Vas-y, je t'envoie. Alors, ça bug un peu hein, pour changer, mais voilà. Envoie-moi, mais avant ça, regarde mon cul. Hey, stop! Ça va? Ça va et toi, Coco? Nickel. C'est quoi ton prénom? Où est-ce que t'habites? J'habite en Bretagne et je m'appelle Corentin. Je vais y aller assez cash. Je vais dire que t'es dans la poubelle. Fin d'histoire. Allez, hop là. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Sûr de ton choix? Ouais, je suis sûr. J'en ai plus rien à foutre, j'ai plus rien à perdre. Voilà. Et toi, t'as totalement faux. D'accord, bah super, Corentin, t'es super condescendant. T'es où? Mais t'étais sous l'herbe? Oui, j'étais pas dans la poubelle, hein. Ah, t'es là, Coco. Je t'entends pas, je crois que t'as éteint le micro. Pourquoi tu me regardes? Tu veux qu'on fasse une bataille de regard, là, Corentin? Attends, t'as enlevé tes écouteurs? Oh, je t'entends plus, du coup. Corentin! Ouais, ouais, ouais. J'ai plein de patience, Coco! Bonjour, papa. Comment ça va? Bonjour. Je vais vous faire venir des gars de la fibre, moi. En fait, ils ont creusé un trou dans le jardin. Oh, mais attends, mais c'est vrai? Moi, je pensais que c'était du faux gazon. Non, c'est vraiment un trou qu'ils ont creusé. Le travail père-fils et tout. Ah non, mais j'aime trop, là. Bravo à ton papa. Bravo à toi. Bis, Coco. Bisous. Vas-y, bah, on peut enchaîner, hein. Je vais d'abord lui dire de se préparer. On enchaîne, mais bah next. J'ai reçu un colis pendant la vidéo, je vais l'ouvrir. Quoi? Attendez, je déballe une dinguerie là, je crois. Eh mais vraiment, mais il y a des putains de talents dans cette communauté, hein. Pète sa mère. Allez voir sur Insta du coup, Enzo le Rock. Ok, regardez ça.
Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Benjamin. Benjamin, je vais t'appeler Rémi. C'est comme tu veux, hein. Bon, tu n'es pas derrière le scotch, c'est pas possible parce que t'es vraiment un humain. Dans la boîte rouge, c'est pas possible non plus parce que t'es un humain, tu peux pas rentrer dans une boîte rouge. Bah, tu pourrais être dans le champ, derrière le mur, mais ce serait un peu facile, quoi. Moi, c'est bizarre qu'il y ait une poubelle posée là comme ça. Je vais dire dans la poubelle, le reflet de la poubelle. Ok. Enfoiré. Oh ! Et ouais. Comment t'as fait ça ? Quoi ? C'est pas un fond vert ? Ah, ça va te monter parce que là. T'as combien de QI ? Je sais pas. T'as 500. Tu viens de passer le test là. Mec, c'est incroyable comme gâchette est trop chaud. Et j'y ai pas pensé une seconde. Au début, j'ai pensé sur une illusion d'optique, un truc comme ça, faire un truc. Si c'est l'idée du miroir, ça m'a venu un peu comme ça. Puis... Tous les gens qui ont joué en même temps, la personne a trouvé, c'est impossible. Mais... Alors, mec, je te propose un jeu. Je vais commencer le Masterboard. Au milieu là. Vas-y. C'est le x5. Bien joué Benjamin, c'est le x5 mon gars, ça fait 500 balles. Bah franchement c'est super, j'ai pas quoi dire de plus hein. On peut se checker à distance. Bah bise mon gars, et merci beaucoup. Bah merci à toi. Oh là là, quel boss. Je vous ai pas parlé de ça, mais il y a déjà le code Joy Cash Cash. Et vous avez aussi les coques d'AirPods. Des fois on n'y pense pas, mais il y a les coques d'AirPods qui existent. Et c'est dispo sur le site de Rhinoshield. Eh bah je vais prévenir les autres que t'arrives. Mais là il me reste... Je vais le défoncer ce mec. Oh ! Hello ! Comment ça, Muffin ? Bien, bien. Bien, bonne idée. La perspective, ça joue avec la perspective, c'est pas mal. J'aime bien, là, le professeur... Kokoro ? Koro-sensei. Koro-sensei. Je vais dire que c'est derrière professeur Koro-sensei. C'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. C'est non. Oh. J'ai perdu, mais je vais quand même essayer de trouver. Derrière le paprika, à tout à gauche. C'est oui. Oh putain, j'hésitais ! Franchement, belle cachette. Il y a un nouveau jeu. Vas-y, on joue. Levi. Je pose les deux autres. Bon. T'as choisi pourquoi ? Parce que t'aimes les animés et tout ? Oui, bah c'est un peu au hasard en vrai. Ouais, bon, des fois le hasard fait pas très bien les choses. Mais des fois il fait bien les choses que c'est 500 balles ! Voilà ! C'est pas vrai ça. Si, je te jure que c'est vrai. T'as bien fait d'être joueur là. Bisous, bisous. Ok. Encore une enquête échouée. J'ai l'impression que ce métier n'est pas fait pour moi. Écoutez, je vous envoie tout de suite. Attendez une seconde, commissaire Zizi. Oh, c'est dégueulasse. Putain, vous me faites chier. Comment tu veux faire ? Putain, sérieux. Tu m'entends ou pas ? Je t'entends. Ah, mais t'as quel âge ? 12 ans. C'est Fortnite ? Oui. T'as bien conscience que là, tu peux être caché à beaucoup d'endroits ? Oui, j'en ai conscience. Ok, t'as fait exprès pour gagner les 100 balles ? Oui. C'est très honnête de ta part. Oh là, c'est impossible. Je pense que t'es là, là. Vas-y, 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 c'est bon, j'ai placé mon ping. Attends, ah voilà. T'étais où ? Dans la poubelle, là. Non, mais Ezel, tu te fous de ma gueule ! Vas-y, vas-y, allez, c'est bon. Là, tu m'as énervé, Ezel. Oui, bah c'est bon, il dansait tout, en plus, il me tourne. Bien joué, fallait y penser à faire dans Fortnite. Franchement, bah 100 balles. C'est quoi le truc de x5 et tout, parce que je vois que ça dans la discussion de sélectionner. Toi, t'es un petit malin. Mais toi, t'es vraiment malin, toi. La gauche. Celle-là ? La gauche, ouais. C'est zéro, Ezel. Ah. T'as voulu faire le malin à te cacher dans une map Fortnite ? Rip. Ouais, rip, ouais. Fuck Céleste, Ezel. T'as le seum ou pas ? Oui. Vas-y Ezel, je vais encore aller à l'encontre de mes règles. J'ai pas envie de pas te donner de sous. Je te laisse les 100 balles, ça va pour cette fois. Ok, c'est tout. Ok. Oui. Fais-moi un petit cri de joie au moins. Ouais. Ouais, allez, ça suffira, ça fera l'affaire. Bise à toi. Oui. Il était mignon, il a 12 ans, il s'est chauffé hein. Peut-être que faut que je me calme sur les sommes que je donne là. Oh putain, c'est très bon comme cachette. C'est une boîte ? Ouais, c'est à Toulouse, c'est le frigo. Y a quoi dedans ? Des salades et des fromages ? Allez, let's go. Je suis désolé, tu peux m'insulter pour ça. C'est quoi ton prénom déjà ? Alors moi c'est Donia, moi je filme et c'est une offre qui est cachée en fait. D'accord, j'ai un peu l'expérience des boîtes, je connais un peu. Je pense pas que c'est sur la cam 1 ou 2 en fait. Y a les flics sur la cam 2 par contre, attention, je sais pas ce qu'ils veulent. Cam 3 c'est la cam bar ça. Cam 4 c'est la cam bar aussi. Cam 7 c'est la piste principale. Tu sais quoi ? J'en ai absolument aucune putain d'idée, voilà. Ah, tu bouges trop hein ? J'aurais dit la cam 7, mais en fait, je viens de me dire que le sol il est collant quand c'est dans les boîtes. Donc elle se serait pas mise par terre. Fais chier, putain. Tu peux lui dire de sortir, je sais pas. Sors, Jen. Ouais, merde, putain. Impossible. On la voit sur deux caméras en plus. Mais comment tu veux que je la vois ? Tu trembles aussi quand tu filmes ! Non ! Vas-y, c'est bon, vas-y, allez, bien joué. Bien joué, les filles. Merci. Bravo. Merci de nous avoir sélectionnés, c'était cool. La boîte, franchement, pour le coup, très originale. On est quand même dans une boîte à 11h du mat. Franchement, ça fait 100 balles, mais il y a un autre jeu. Puis on va jouer pour le kiff, c'est pas. Celle du milieu. C'est divisé par deux. Ah bah voilà, parfait. Mais ça va du coup en fait. C'est cool, maintenant on peut kiffer d'avoir participé, c'est déjà bien. Eh bah magnifique. J'espère que ça va être rempli ce soir. Vous faites plein à chaque fois ? Ouais, ça sort bien, ouais. Eh bah le frigo à Toulouse, voilà. J'espère que vous passez mes sons dans la boîte. On va les passer, on va essayer de les caser. Bah merci d'avoir participé. Et je vous dis à la prochaine et longue vie au frigo. On dirait bien que détective crotte de chien est dans la merde. Il est ruiné. Il ne lui reste que sa crotte de chien et ses lunettes pour pleurer. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir participé. C'était un level insane là, vraiment. La prochaine fois, peut-être que je me ferai accompagner d'un autre détective. Si ça vous a plu, likez la vidéo, c'est important. Commentez, dites que ça vous a plu,
dites votre cachet préféré. Je vous mets le sondage aussi pour définir quelle a été pour vous la cachette la plus créative qui va gagner 1000 balles. Je vous rappelle le code JOYCACHECACHE pour 10% pendant 48 heures sur le site de RhinoShield avec toutes les codes que je vous ai montré pendant la vidéo et les autres collections dont je vous ai parlé déjà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Tout le temps.